Oui, c'est Kalten et c'est parti pour la partie 5 du Let's Play sur Sly Raccoon sur PS2. Alors, on était arrivé là de... Oh là. La dernière fois... Bah... Dans le deuxième monde, voilà. Le deuxième monde où, bah du coup, j'ai récupéré combien de clés? 2. Donc c'est pas encore assez pour... Mais je voulais pas faire ça. Je sais que c'est pas encore assez. Là, on a 3 cadenas. Pour activer cette voiture, il nous en faut une troisième. Alors, faut juste trouver un troisième niveau. Ça, c'est fait. C'est le casino. J'ai même fait la bouteille. Oh là. Voilà. Donc oui, j'ai même eu le coffre-fort, quoi, je veux dire. Hop. Hop. Et là, on a un nouveau niveau. Le Cynodrome. Donc, il y a un niveau... Ah merde, ça c'est un niveau sans... Murray, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, j'allais juste m'acheter un petit hot dog, et je sais pas comment, je me retrouve à faire la course contre ces espèces de racailles. Et il y a une clé à la clé? Oui, il faut faire 3 tours de piste pour une clé. Alors fonce, mec. Dirige le van avec le joystick analogique gauche. Et si tu roules sur un bonus de nitro, appuie sur la touche carré pour accélérer un bon coup. Je gère. Ok. Ah merde, d'accord, on avance aussi avec le joystick gauche en fait. Ah mais c'est perturbant. En plus, c'est pas comme si c'était une piste de savon, tu sais. Faire 3 tours de piste et je suis encore 5ème. Donc oui, il n'y a pas de coffre-fort à débloquer ou quoi ici. Hein. Oh là là. Bon, je pense que je vais devoir la refaire, hein, mais ça n'engage que moi. Ça demande vraiment... Aïe, aïe, aïe. De maîtriser le véhicule qui est pas facile à maîtriser. Hein. Donc je pense que les nitros ça va servir à réaccélérer après des virages serrés. Voilà. Voilà. Je crois que tu me fais peur avec ton gyro, toi. Ah, non! Non! C'est pas du jeu! C'est pas juste! Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, bah voilà, je suis 4ème sur 5. Wow, c'est qu'à moi me rendre dedans des deux côtés. Eh ben, te laisse pas faire, rends-leur la monnaie, il nous faut cette clé. Ben oui, j'ai essayé. Bon, j'ai eu un mauvais départ, mais je crois que ça suffit pas. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis vachement plus lent que j'ai l'impression en fait. Aïe aïe aïe. J'arrive pas à récupérer les trucs de nitro, je fais des virages trop serrés, du coup je ralentis. Sérieusement ? La précision des distances est assez compliquée aussi. En fait, faut pas prendre les virages.
j'ai pas l'impression. Aïe. Bon. Vraiment. Wow. Vraiment qu'il soit modéré, hein, les virages. Bon. Il y a une petite amélioration. Vraiment petite, hein, mais bon. Là, le premier est loin. Eh ben, tu laisses pas faire, alors l'abonné, il nous faut cette clé. J'aime bien les mecs qui jouent une clé comme premier prix. Aïe, hop. Et le virage serré. Et la nitro que j'avais pas pour compenser. Là. Ok. Je considère pas que ça se passe super bien là. Je fais réserve de nitro. Oh non, j'ai deux voitures à dépasser. Et le troisième tour, c'est parti. Ouais, mais la voiture 1 là, le premier, il est vraiment loin. Est-ce que je vais vraiment pouvoir rattraper ça, moi? Non. Waouh, c'est qu'un honorable de... Aïe, aïe, aïe. Eh ben, tu laisses pas faire, alors la monnaie, il nous faut cette clé. Franchement, c'est vraiment pas évident. Oh, aïe, aïe, aïe. J'aurais eu un tour supplémentaire. Ça aurait été... Je pense que je l'aurais eu, le truc. Merde, j'ai mal géré. Aïe, 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 je gère tellement mal sur ce coup-là. Que j'avais déjà gagné deux places à ce moment-là, dans l'essai juste avant. Oh putain. Là. Bon, par contre, à ce moment-là, j'avais de la nitro en plus. Et là, sans nitro, je sais pas si je vais vraiment y arriver. Aïe, aïe, aïe. Parce que lui, déjà, il va m'embêter. Bon, la nitro est à moi. Attention, ouais, mais par contre, là, c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Vous allez bien, les gens? En fait, je crois que je vais légèrement plus vite qu'eux, à ma vitesse de pointe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Là. Les deux voitures suivantes sont assez proches. Là, franchement, je pense que c'est encore jouable. Allez! Dégage, toi! Bon, je suis deuxième. Et j'ai encore un tour pour dépasser le premier. J'ai eu un coup de chance avec le cafouillage qu'il y a eu au début, là. En plus, je crois que c'est celui qui est premier habituellement qui a eu des petits soucis de conduite. Pute!
ne criant pas victoire trop vite. Yes! C'est bon! Super, ouais. Bon, j'ai eu de la chance avec le début. Qu'est-ce qui s'est passé avec la camionnette? Ah oui, d'accord, j'aurais pu être bloqué, quoi. Bon, je vous cache pas que là, ça me tarde un petit peu de vous mettre dans un niveau un peu plus traditionnel. D'accord. N'empêche que je vais pouvoir maintenant débloquer cette fameuse voiture. Voilà. Elle est par ici. Et hop là! Un petit peu tout ça et ça nous mène ici, voilà, ok. Où sont les niveaux? Où sont les niveaux? Il y a l'air d'y en avoir un par ici, non? Ah, c'est là-haut en fait, mince. Ou sinon nul. Ah bah là, il y en a un. Toi et moi. Voilà. Alors, si je me souviens bien... C'est toi, son poisseux. Mais c'est le... Attendez, il y a des bouteilles ici. Qui devrait se trouver dans une boîte à bijoux près des appartements de Munchak. D'accord. Il me semblait que toi et moi, c'était parce que on y voyait Carmelita. Voilà. Il y a combien de bouteilles? 30. Quelle surprise. Oh bah tiens. Voyez donc qui m'obstrue la vue. Sly Cooper. Soulagé de vous voir, Miss Fox. Je commençais à m'inquiéter. Je vous croyais perdu dans les rues de Paris. S'il y a quelqu'un de perdu, c'est toi, Sly. Je te suggère de te rendre avant que je ne te paralyse grâce à mon cher pistolet électrique. Moi, je dis, une fille qui chérit un pistolet, elle a un problème. Un petit dîner, une petite danse, et je crois que ça ira mieux. Très romantique. Apporte donc les chandelles. À la prison. Bon, paraît que les serveurs sont moyens. Laisse-moi t'attraper, et je te prouverai le contraire. Le grand amour. Y a pas de bouteille par là? Non, ça va aller. Oh! Non mais moi je veux le porte-bonheur là. Voilà. Voilà. Y a des bouteilles ici aussi. Allez. Voilà. Bouteille. Encore quelques bouteilles ici. Et j'ai déjà la moitié. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est une blague. J'en ai encore un. Bon. Ils me l'ont pas compté. Le fait que ce soit le pistolet paralysant qui me fasse aller dans le vide. Ils sont gentils, dis donc. Allez. Ça passe. Il y a encore une bouteille qui traîne ici. Attention. Le coffre-fort, il y en a aussi. 18. Aïe aïe aïe, par là y'a rien.
ici. Ah, mais c'est une télé, c'est pas un coup trop fort ça. On va se calmer. T'as la course poursuite à Uncharted. Je vais où? Je crois que je vais aller en bas. Checkpoint. Deux bouteilles ici. Il m'en reste plus que 5 à trouver. Une là. Qui est facile à manquer celle-là. Allez, dites-moi qu'il y a beaucoup de. Enfin qu'il y a 4 bouteilles en fait là. Ah bah il y en a une. Ah merde. J'avais pas vu qu'il y avait le chien avec son truc. Bon bah ça va, je crois que je les ai toutes trouvées. Plus qu'à aller ici. Qu'est-ce que c'est ? Heureusement que je parle le Navarro. Essai 5, 3, 2. 5, 3, 2. L'emplacement des bouteilles, s'il vous plaît. Ok, cette page vient de ton super ancêtre, ah non. B.F. Cooper. Il avait réussi à accélérer le temps, facilitant ainsi les longues périodes d'observation. Il te suffit de maintenir la touche triangle enfoncée. Mof. Pas indispensable, enfin ça m'a débloqué un trophée, mais bon. Je sais pas lequel est mieux en fait. Pas grand chose qui me. Ça c'est pas mal. Allez. On va pas passer 3 ans dessus. Maintenant, plus qu'à aller à la fin du niveau. Oh oh. Well. Non. Oups, tihi. Bon, j'ai encore un point de bonheur au besoin. L'appréciation des distances est assez approximative. J'ai perdu tous mes points de bonheur, ça m'ennuie. Hop, je vais où? Ah ben je vais là. Bon, bah, je meurs et je crois que c'est game over. Gagné. Bon, par contre, j'ai pas besoin de retrouver toutes les bouteilles, ça c'est sauvegardé. Heureusement, puisque ça m'aurait embêté de tout recommencer ça aussi. Là, au moins, on peut tracer pour la fin. Je veux bien ça. Même si on est globalement au début du jeu, il y a certains passages qui sont... pas franchement évident. Hein. Bon après, au moment de la PS2, les jeux de plateforme ont eu tendance un petit peu à se... Les jeux de plateforme traditionnels ont eu peut-être tendance au fur et à mesure à se simplifier. Là, bon, on est sur PS2, ça doit être vraiment le début où ça a commencé à simplifier. Enfin, moi je me souviens par exemple de Crash Bandicoot où bon... Même les premiers niveaux étaient pas forcément simples, quoi. Loin de là. Là. Non. Donc évident, c'est lustre.
parce que, en fait, le truc, c'est que les rebords aussi sont... ont une hitbox. Ce qui fait que c'est pas franchement toujours évident de passer. Pas. Hein, ça. Selon l'endroit sur lequel on est sur le lustre. Hop là. Et ben, c'est pas forcément facile de sauter dans l'autre. Je me concentre un petit peu. Voilà, faut vraiment sauter sur la partie large du lustre. C'est pas toujours facile, étant donné que la vue fait que les distances sont pas toujours simples à apprécier. Heureusement qu'on sait qu'on peut rusher, hein, quand même. Je ne te lâcherai pas, Cooper, et je finirai par t'avoir. Oui, ma douce Carmelita. Hum. Ça c'est quoi ça? Ah d'accord. Je peux me cacher. Maintenant on va faire comment? On va faire encore peut-être un... Un niveau. Ah, tiens. Là on en a un qui nous tend les bras. Vol par derrière. Voilà. Ah, les Klebs. Ah, je me souviens que ça avait été galère hein, pour les Klebs. 30 bouteilles à récupérer. Ok. Ça me fait plaisir de détruire les trucs mugshot là. Regarde juste un truc. Ah non. Je pensais qu'il y avait une plateforme direction caméra et je me suis planté. J'ai où ? Il est là. Bon. Oh, ok. Bon, j'ai réussi à la voir. Si on va là-haut. Voilà. C'est juste pour une bouteille. A priori. Ah, ça c'est pas mal. Pouvoir détruire les projos. Je pense que je peux aller aussi par là. Ouais, attendez. Parce que je vais quand même... Voilà. Allez voir en bas, en fait, si jamais il y a des bouteilles. Ça me paraît quand même important. Parce que je commençais à aller loin dans l'autre direction sans vérifier si jamais y avait des bouteilles ou pas par ici. Bon, ça a pas l'air d'être le cas, malheureusement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Oh! Ah, mais ça, non, ça doit être pour la suite. Ça doit être pour la suite parce que en sautant sur les statues de chiens, là, ou de Cerbère, ou je sais plus quoi, on allait... on faisait le tour de cette place. Ouais, c'est des statues de molosses, quoi.
trois statues de molosses. Alors on peut aller en bas, on peut aller en haut. Je vais où ? Ouais, d'accord. Oups. Ce fut une mauvaise idée. Ah mais en fait la sonnerie est... Enfin l'alarme est juste là. Voilà, d'accord. Non. Aïe aïe aïe. Ah oui non, il faut que je me cache derrière le mur en fait. Non. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'ai accumulé les mauvaises idées. Ah, le boulet, quoi. Mouais. Ah oui, et là, en fait, on se cachait comme ça. Et là, je peux pas sauter. Ok, c'est comme ça que ça marche, en fait. Là, on se cache ici. Et là, par contre, faut éviter le projo. Voilà. Et ça, donc, c'est ce que j'ai vu en bas tout à l'heure. Ces bouteilles-là qui montent, qui descendent. Bon, ça a l'air d'être bon. Plus que 10. Aïe, alors attention. Oh non, j'en ai manqué. J'en ai manqué et là j'ai l'impression qu'on peut pas revenir en arrière. Ah, c'est dommage, là c'était question vraiment d'habilité. Et je crois que je me suis bien planté. Planté et bien planté, ouais. Ouais. À moins que là, je suis remonté. Il me manque 3. J'en ai loupé 3. Ah, la clé est là-bas. Aïe, 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 mais je crois qu'il y en a une autre que j'ai pas eu. Je crois qu'on en a vu une autre que j'ai pas eu et qui là, pour le coup, est trop loin pour que je l'ai. Ça, c'est... On va réessayer. Non, j'ai pas l'impression. Mais... Enfin, je l'ai... Ouais, je sais pas. De toute façon, là, j'en vois qu'une. Enfin, j'en ai vu qu'une, je crois. Et il me manque deux bouteilles. Bon. Ah ben, j'ai une seconde chance, tout va bien. Mais ouais, en plus il y avait une autre bouteille après. Du coup, ben concrètement, je les ai toutes repérées. C'est juste qu'il faut que j'ai la celle que j'ai manquée. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et là, je pense que ça va être bon du coup. Enfin, faut quand même que j'arrive à la prendre. Là. Oh, la caméra du mal. Oh, la caméra du mal. J'aurais pu y arriver en dormant. La combinaison est le 5-6-5. Ah putain, que des chiffres qui sont loin. 5, 6 et 5.
trouver les plans du repère de Mugshot yes à Mesa City. Et grâce à ça, je vais pouvoir t'aider à trouver des indices et autres objets. Regarde dans ton binocom pour avoir accès aux informations. Ah, c'est la page que je voulais. Super. À la prochaine fois, on va pouvoir refaire le niveau 1 du repère de Mugshot. Et puis, certainement, terminer le monde. Peut-être pas aller affronter Mugshot tout de suite. Puisqu'il me manque deux clés, il faut que je refasse encore un niveau. On sera paré pour la vidéo d'après. Quoi, typiquement, je pense qu'on va faire ça comme ça. Du coup, on va s'arrêter là. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à la liker, la commenter ou la partager. Abonnez-vous si vous voulez me suivre sur YouTube ou n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Twitter, Twitch ou Discord. Et ne manquez pas la prochaine partie qui sera pour vendredi prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !